Alors, nous nous trouvons au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, sur le site de Plateforme 10, où nous rejoindrons bientôt le Musée de l'Élysée et le MUDAC. Alors, je suis le responsable technique, je m'occupe avec mon équipe de tout ce qui est en lien technique avec les expositions et les œuvres en général. Nous construisons les parois mobiles nécessaires aux expositions, les socles, les podiums, les vitrines, les caisses pour les œuvres. Nous faisons aussi l'éclairage, la peinture des murs. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était l'installation de l'œuvre de Giuseppe Pennone dans le hall d'entrée du musée. C'est un arbre, un moulage d'arbres à l'échelle 1 et que nous sommes allés déterrer dans le jardin de sa propriétaire et transporter et réinstaller dans le hall du musée. C'était un sacré défi de par sa taille, son poids, de le faire rentrer dans le musée et d'y faire rentrer aussi les machines, les grues et les nacelles car les portes étaient déjà installées au musée. Une anecdote, oui, il nous arrive souvent de construire des sculptures et des œuvres pour les artistes. Alors on se rencontre avec l'artiste le plus souvent. Par exemple, la dernière en date, ça a été l'œuvre de Jorge Macchi pour son exposition dans l'espace projet où nous avons réalisé des moulages de bouteilles d'eau en béton et la fabrication d'une structure tubulaire qui était un peu en suspension dans la salle d'exposition. Mon meilleur souvenir pour moi, c'était vraiment tout le suivi en fait, du chantier. Moi, je suis arrivé dans ce musée au moment de la pose de la première pierre jusqu'à la construction et l'inauguration, et jusqu'à maintenant, disons, mais jusqu'à l'inauguration du musée. C'était vraiment passionnant de suivre la construction, de pouvoir connaître en fait, par cœur ce lieu jusqu'au moindre recoin.